Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission, le Petit Plateau, émission en compagnie de l'équipe de d'habitude. Elle ne change pas, elle ne change jamais. Jordan est avec nous aujourd'hui. Jordan, comment ça va? Salut à tous, ça va très bien, écoute, et toi? Ça va super. Merci. Et aussi notre deuxième acolyte, c'est Paul. Paul, comment ça va? Très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une petite interview bien sympathique. Écoute, le plaisir est partagé. Notre invité aujourd'hui, c'est un coureur professionnel qui s'est exilé pas très très loin de la France, mais dans un pays où les coureurs français n'ont pas l'habitude de courir. C'est Alexis Guérin qui court aujourd'hui en Autriche pour le team Vorarlberg. Hello Alexis, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va. Quand une période hivernale, on fait du gras et on essaie de garder de l'énergie pour la reprise. Et oui, on essaie de faire toutes les provisions de l'hiver. C'est quand même important pour les coureurs aussi de couper après une saison 2020 qui a été un peu compliquée pour tout le monde. On va commencer l'émission. On va commencer avec la présentation du coup de l'invité. Paul nous a préparé une présentation détaillée de l'invité et on va pouvoir en apprendre plus sur Alexis et à la fin, il pourra nous dire si on a bien préparé notre sujet ou pas. Exactement. Donc Alexis, tu es coureur professionnel pour l'équipe autrichienne Vorarlberg Santik, pardon. Mais avant, tu étais notamment passé en tant que stagiaire pour l'équipe FDJ en 2013 et dans la réserve de l'équipe Etix Quickstep. À l'époque, c'était AWT Greenway à partir de 2014. Tu n'es cependant pas conservé au bout de tes 2 ans et tu retournes rouler pour quelques équipes amateurs comme Rouen ou Blagnac. En 2018, tu décides de laisser ta carrière en suspens pour des raisons personnelles, mais tu signes finalement pour les Girondins de Bordeaux en amateur. Puis, en juillet 2018, tu rebondis chez Deco Marseille, où tu avais été notamment annoncé quelques mois auparavant. En 2020, avec ta nouvelle équipe, tu fais quelques belles places d'honneur et tu termines notamment deuxième du Tour de Savoie-Mont-Blanc, derrière notamment Pierre Roland. Est-ce que j'ai bien résumé ta carrière jusqu'à présent? Je pense que tu la connais mieux que moi. Bon, ça veut dire qu'on a bien fait le travail de présentation et derrière, on va te poser des questions et on va rentrer un peu plus dans le sujet de qui est... On va te poser quelques questions, effectivement, mais avant ça, on va te poser quelques questions décalées hein, sur ta personnalité pour savoir tes goûts, etc., tes passe-temps. Et du coup, la première question que j'ai envie de savoir, c'est quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas travaillé dans le cyclisme? Il y en a tellement. Ah ouais? Je suis plutôt du joueur curieux, du coup, il y a tellement de choses qui m'intéressent à part le vélo. J'aurais pu faire, prof de sport ou éducateur, commercial. J'aurais pu faire tellement de choses. Je sais pas. Aïe, aïe. Tellement de choses. Tellement là, de choses. Si ma carrière s'arrête aujourd'hui, je ferais prof de sport. Prof de sport, d'accord. Ça resterait autour du sport. Ok. Ton passe-temps préféré, ton hobby préféré en dehors du vélo, qu'est-ce qui te passionne? En dehors du vélo, le foot, ma petite famille, parce que j'ai ma compagne qui est enceinte, mes amis, et faire en sorte que les gens autour de moi soient heureux. C'est ce qui m'intéresse à part le vélo. Oh bah c'est beau. C'est un beau projet. Long, mais beau. Est-ce que tu as une série ou un livre favori à conseiller, par exemple? Ah, je suis un total fan de Netflix. Du coup, des séries, il y en a plein. Dernièrement, en ce moment, je regarde Love Addict. Ok. D'accord. Love Addict. Et ton coup de cœur, ta série préférée de tout Netflix confondu? Je peux te dire mon film préféré que j'ai regardé récemment. Ok, vas-y. Un film que j'ai adoré, Deadpool. Ok, Deadpool. Ok. C'est vrai que c'est complètement. C'est un film un peu. C'est un film décalé et comique. Du coup, c'est ce que j'aime parce que ça te fait oublier tout et tu rigoles et c'est tout. Quoi. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu as un style de musique ou un artiste préféré? Non, c'est plutôt en fonction du mood dans lequel je suis.
peux écouter du Claude François et le lendemain aller écouter du Caris, donc Ouais. Ouais, c'est large, quoi. Et ouais, là, là du coup, c'est t'es... large. Et là, C'est du... vraiment en fonction du goût. Et là, du coup, t'es dans quel mood? Là, actuellement, Ouais. je vais te dire ça de suite. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder dans mes musiques. Allez, on veut connaître la playlist d'Alexis Guérin en ce moment. Alors, c'est simple. J'ai une playlist qui s'appelle Sentimental. Donc là, je vais te dire. Dedans, tu as du Always, I am yours, Falling, Les matins, Le pire, Firestone. Et les artistes, c'est qui? C'est Kygo, la Firestone, Kygo. Voilà. Ouais, voilà. Un peu lover en ce moment entre Love Addict et Kygo. Playlist Sentimentale Alexis Guérin. En fait, dans 3 semaines, j'ai le petit qui arrive, du coup, je Ouais. suis dans le mode sentimental. Ouais, bah c'est pas étonnant en vrai. C'est pas étonnant. Ensuite, ton premier vélo et ton premier souvenir de vélo, c'était quoi? Mon premier vélo. Premier vélo quand je faisais du vélo ou premier vélo quand j'étais gamin? Ton premier vélo quand t'étais gamin. Si tu t'en souviens. Je me souviens du vélo, mais alors il n'avait aucune marque. C'était un vélo à moitié rouillé de partout. Un ami à mon père avait trouvé dans son grenier, lui était triathlon, il m'avait donné le vélo. Et je faisais des courses de vélo, c'était des changements au cadre. Ouais. Et je devais avoir, je sais pas, 8 ans, et je faisais des courses avec mon frère autour de la maison de ma grand-mère. Et après ton premier vélo de course. Orbea. Ok. Un Orbea qui faisait 12,5 kg en Campa. Et ouais, j'adorais ce vélo. Il était lourd, mais j'adorais ce vélo parce que c'était le premier, quoi. Ouais, il y a toujours cette notion de sentimental Ouais, un ouais, ouais. Ouais, je suis un peu. sentimental. Hein. Quel a été ton idole de jeunesse dans le sport ou autre, si t'as? Après, j'ai du mal à idolâtrer les gens. Je reconnais le palmarès des sportifs. Je suis admiratif, mais j'ai pas. Il n'y a pas une personne en particularité, quoi. J'idolâtre pas la personne, j'idolâtre ce qu'il a fait, mais pas la personne. D'accord, ok. Je Ton parcours préfère, sportif. je trouve plus impressionnant quelqu'un qui monte une charpente qu'un cycliste qui gagne une étape du tour. Ok. C'est la performance, je la trouve incroyable, je trouve la performance magnifique, mais après, voilà, la personne a travaillé pour quoi. On Ça, je sais voit. pas. Que le Non, charpentier, il mais apporte c'est... un toit à quelqu'un, et voilà, c'est peut-être bête, mais. Non, c'est pas bête Non, du mais... tout, c'est Ah pas bête du non, tout. bah non. Après, quand j'étais gamin, c'était Virenque. J'aimais bien Virenque. Ok. C'est le seul où, Ok. après, une fois qu'il a arrêté, il n'y en a plus. C'était la Virenque Mania à l'époque. Ah ouais, c'était fou, hein. Du coup, je te demandais quelle était ta matière préférée à l'école, tout simplement. Si tu avais une matière préférée. J'adore l'histoire. L'histoire et les maths. L'histoire pour quelqu'un Ok, l'histoire. qui est très curieux comme toi, c'est vrai que ça correspond à ce que tu nous as dit. Ouais, je suis peut-être un peu trop curieux Ok. même. Non, Ah. moi je pense pas que ce soit un défaut, mais bon. moi je pense pas non plus. C'est bien Ah d'être. non, non. Ça dépend de la curiosité. Il y a la bonne curiosité, il y a la curiosité mal Oui, placée. c'est ça. Faut connaître la limite de la curiosité. On a tiré un C'est vrai. peu le portrait original du coup d'Alexis Guérin. On va passer à la deuxième partie de l'émission qui est la partie des questions ouvertes. On va rentrer du coup dans ta carrière. On va un peu évoquer toutes les périodes que tu as connues. Parce que tu as un parcours quand même assez atypique. Voilà, tu as connu des réserves, de la réserve de l'Amérique du Monde. Tu as été stagiaire chez une des plus grosses équipes françaises. Et voilà, aujourd'hui tu cours en Autriche. Aucun Français ne fait ça actuellement. Donc c'est super intéressant à... Après, il y en a eu par le passé, notamment dans Oui. l'équipe où je suis, qui ont eux laissé une excellente image aussi, donc je peux leur être reconnaissant parce que si j'ai cette place dans cette équipe, c'est aussi grâce à eux, quoi.
Ben, on en parlera du coup. Mais du coup, ma première question, c'était en 2013, du coup, tu es stagiaire chez FDJ. Ouais. Comment le jeune Alexis Guérin, à cette époque-là, envisageait sa carrière professionnelle? Ouf. Alors là, déjà, j'ai commencé à avoir l'idée de passer pro parce que FDJ m'avait pris comme stagiaire. Ok. Pas avant. Moi, j'ai commencé très tard le vélo. Donc, j'ai pas de personne qui fait du sport de haut niveau dans ma famille. Donc, je suis vraiment arrivé tard et je connaissais rien du tout. Et on peut dire que ça a été un peu trop vite, je pense, pour moi. J'étais pas prêt pour le haut niveau mentalement. Quand ça m'est arrivé, cette année-là, j'étais en Trans Gascogne, j'étais avec Quentin Pachet, on était tous les deux dans l'équipe. On avait un monsieur extraordinaire qui était Dominique Arnaud, qui nous encadrait, et qui m'a poussé à préparer le contre-la-montre. Et je crois que c'est cette année-là, ouais, cette année-là, où je fais premier amateur au Championnat de France de chrono. Et je crois que c'est cette année-là aussi que je fais sixième au Championnat d'Europe. Et de là, il me dit, tu vas être stagiaire FDJ. Ah bon? Pourquoi? Il me dit, t'as performé, t'as assez performé pour être stagiaire FDJ. C'est génial. Et en fait, là, je me suis dit, ouais, peut-être que faudrait que que tu te mettes à vraiment faire attention à ce que tu fais dans ta vie de tous les jours et tout, et vraiment te comporter comme un professionnel pour pouvoir aller chez les professionnels. Et après, donc tu signes dans la réserve de Quickstep, qu'on peut dire la meilleure équipe de formatrices dans le monde. Et qu'est-ce que tu en penses comment ça se fait que derrière tu continues? Là, vraiment, tu passes un cap ou pas quand tu signes dans cette équipe réserve? Je peux même leur dire un grand merci parce que j'étais vraiment déçu de ne pas signer à la FDJ au final. Parce que tout le monde était content de moi et au dernier moment, ils ont préféré prendre un autre coureur, un néo-pro qui avait déjà signé un contrat dans une autre équipe. Et on s'est retrouvé deux stagiaires à pas être pris. Après, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est leur choix. Et derrière, j'ai le papa de Kenny Molly Ouais, le Belge. qui était à l'époque assistant chez Quickstep. Qui a eu un coup de téléphone de Machine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Machine. Il est manager Non. Ah, Machine, c'est UAE. Oui. Et avant, c'était Ah oui. le scout de Quickstep. Ok. Et en fait, il a dit à Molly de me contacter. Ils m'ont contacté sur Facebook et ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse de venir chez ATX? J'ai dit, c'est une blague. Ils m'ont dit, non, si tu dis oui, dans 2 semaines, il faut que tu viennes à la réunion d'équipe, quoi. J'ai dit oui carrément. Et je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé là-bas, je ne parlais pas un seul mot anglais. J'étais le seul français. Et du coup, déjà, j'ai passé un cap au niveau de ça parce que j'ai dû apprendre l'anglais, donc j'ai appris l'anglais. Et le fait d'avoir cette barrière de la langue, ça m'a forcé à devenir plus professionnel et à avancer vers les autres et Et t'es regarder ce sorti de qu'on ta peut. zone de confort aussi. Voilà, exactement. Du coup, ça m'a fait passer un cap et oui, là-bas, j'ai la première année, j'ai gagné 25 watts sur mon seuil 20 minutes. Donc, ouais, j'ai passé un énorme cap là-bas. Ouais. Du coup, là-bas, est-ce que tu as eu une certaine pression ou une certaine concurrence pour décrocher ce qui est le Saint Graal là-bas, le contrat chez Quickstep? Est-ce qu'il y a eu une sorte de pression ou pas du tout? Non, il n'y avait aucune pression, aucune mauvaise concurrence. Tout le monde courait dans le même sens. Il y a un exemple, c'est la première année, je suis au Tour de Bretagne. Il y avait un leader, c'était Wisniewski, Lucas. Et Holgaard pour les sprints. Et pour les sprints, il y avait Wisniewski et moi qui plaçaient Holgaard. Et on était quatre pour le général au final, lors de la dernière étape. Et à 20 km de l'arrivée, Wisniewski vient me voir et il me dit, bon Alexis, je sais que tu as bossé pour moi toute la journée, mais j'ai pas les jambes, t'es plus fort, joue le général. Donc on était chacun capable de se battre pour l'un ou pour l'autre en fonction des jambes, malgré qu'il y avait un contrat qui était possible derrière. Et personne ne mentait. Voilà, tout le monde était sincère et je pense que c'est pour ça que l'équipe fonctionnait. Ouais. Et t'as connu d'autres coureurs français dans cette équipe? J'ai eu que Ryan Boigny Ryan, qui est arrivé la deuxième ouais. année. T'as Ryan Bohany dans cette équipe. Et il faut dire qu'il y a eu
plein de super coureurs français qui sont passés dans cette équipe. On a eu donc Ryan Bouhanni, on l'a dit. On a eu Julian Alaphilippe. Il y a eu aussi Florian. Non, pas Florian Sénéchal. Si, Florian Sénéchal, évidemment. Et après, les. Et Rémi Cavagna, ouais. Et après, l'équipe s'est arrêtée C'est ça, exactement. il y a quelques L'équipe a années. duré 4 ans. Ouais. Et les derniers en date qui sont passés pro, parmi eux, il y a les Ivan Garcia Cortina. Il y a Enric Mas, C'est ça. Narvaez, Schackmann. Déjà, c'est ça. Ma dernière année, je crois que sur 12 ou 13 à l'effectif, on est 9 à être passé pro. Ouais, C'est pas c'est mal, beau, bon hein. ratio. C'est beau. Et je pense que toutes les équipes jeunes ne peuvent pas se vanter d'avoir un tel ratio. Clairement. Ouais, c'était impressionnant. Les tests à effort, c'était impressionnant. Hein. En plus, on faisait des concours entre nous aux tests à effort. Ouais. Et derrière, tu pensais décrocher le contrat pro chez Quick Step ou c'était vraiment dans un coin de ta tête et tu travaillais pour Je suis le ou... seul coureur non espoir étranger qui a été gardé là-bas, la deuxième Ok. année. D'accord, ok. Et au bout de ta deuxième année, après, t'as pas été conservé, t'as pas souhaité. Bah, j'ai voulu revenir. Moi, j'ai voulu signer. En fait, je voulais signer pro en France. Et après, le Feu Vert a dit, voilà, Alexis, l'équipe est pleine. Par contre, dans le futur, rien n'est impossible. Donc, je savais que j'allais pas être pris. Mmh. Et que j'étais trop vieux pour rester dans la réserve. Du coup, moi, je voulais revenir en France. Et en fait, en France, on m'a dit qu'il fallait que je prouve que j'avais ma place. D'accord. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit, bon, ben, je retourne en DN. Ah ouais, et Et du voilà. coup, mentalement, quand tu viens de passer 2 ans dans la meilleure réserve du monde, que t'as prouvé parce que t'es avec que des cracks en fait dans cette équipe, le discours des équipes françaises qui disent t'as pas à prouver, est-ce que ça te met pas un coup en morale en disant mais en fait vous regardez pas ce qui se passe au-delà des frontières françaises ou quoi? Non, parce que sur le coup, je ne peux pas leur en vouloir. Sur le moment, j'étais un peu déçu. Après, voilà, ce n'est pas les équipes françaises. À l'époque, j'avais un agent, c'est l'agent qui m'a dit qu'elles avaient ce discours-là. Ok. Mais je ne peux pas dire si elles avaient exactement ce discours-là. Mais une l'a eu, parce que une, je l'ai eu au téléphone. Ok. Mais je ne peux pas lui en vouloir, parce qu'avec du recul, je peux pas dire que j'étais prêt. J'étais pas prêt. J'avais trop, trop, trop de travail à faire pour me préparer mentalement à ce monde-là. Du coup, c'est un peu un mal pour un bien pour toi, tu penses? Oui, exactement, je pense que c'est un mal pour un bien. Ok. Parce qu'au final, bah, je veux le dire, hein, pour moi, je suis prêt pour le très 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 haut niveau depuis à peine un an et demi. Ok. D'accord. Ok. Ok, mais c'est important Du que tu le coup. dises parce que de l'extérieur, je pense que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en cyclisme, mais qui n'a pas toutes les infos, il voit ton parcours, il se dit, il y a un problème dans l'équation, il y a un truc qui va pas. Il y a un trou. Voilà, pourquoi il se retrouve. Enfin, on a beaucoup de respect pour Vorarlberg, attention, mais Ah pourquoi il se retrouve dans une Conti autrichienne alors que il a une super formation et c'est quoi le problème? Mais après, ce qui rentre en compte et ce Ah. que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est la construction d'un coureur enfin voilà, L'évolution. mentalement, ouais voilà, C'est physiquement, surtout l'évolution du courant. ouais. Je pense que dans le vélo, si un coureur commence comme moi j'ai commencé, au début j'étais un coureur très offensif, chien fou, qui était nul tactiquement, qui voyait jamais la course. C'est-à-dire moi, tu baissais le drapeau, s'il fallait que je mette 30 attaques pour être dans l'échappée, je mettais 30 attaques. Et je courais comme ça quand j'étais plus jeune. Et j'ai évolué, j'ai appris à apprendre le vélo, comment se passait le vélo, comment il fallait se comporter à la maison, comment il fallait s'entraîner, comment il fallait courir. Et maintenant, je sais, je cours, pense bien courir, parce que l'an dernier, j'ai fait 5 courses à étapes, j'en finis 4 dans les 10 premiers. Donc, je pense que je cours assez bien. Après, rien n'est parfait, hein, on a toujours des choses à apprendre. Mais je pense que j'ai évolué. Mais encore l'an dernier, sur une course, un Français est venu me voir, il me dit bon, tu vas faire le départ, Alexis? Du genre, Genre, tu t'es vas encore mal. étiqueté. Ouais, voilà. Et je l'ai regardé et je lui dis on verra bien. Écoute, si ça t'amuse, on y verra bien. Du coup, après avoir mis donc ta carrière en pause, enfin en reprendre amateur pour apprendre mieux le métier, pour prouver ta valeur, est-ce que t'as pas eu un doute de te dire, est-ce que peut-être que je repasserai plus jamais pro? Est-ce que tu t'es pas dit peut-être que c'est foutu?
On m'a dit que c'était foutu. Ouais. Des gens pessimistes, que c'était foutu. Et moi, je leur ai répondu, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fait pas. D'accord. Je m'entraînais dur. Je m'entraînais même très dur. Et j'étais vraiment. Je suis quelqu'un qui est très dur avec moi-même. Je déteste être nul, même à l'entraînement. Et je me disais, bah, je fais les sacrifices et je me donne 2, 3 ans. Et si on me dit non, et ben, on me dit non, j'arrêterai et puis j'irai travailler. Mais finalement, il y a Delco Marseille qui te redonne ta chance. À partir de juillet 2018, tu signes là-bas. Donc, comment ça se fait? Enfin, comment tu peux expliquer le fait qu'ils te fassent confiance pour revenir, bah, finalement, Après, ils étaient au monde pas, il y avait, professionnel? y avait plusieurs équipes à ce moment-là. Ils étaient D'accord. 3 à m'avoir contacté. Enfin, 4 si je compte une équipe étrangère qui m'a contacté également. Et j'ai fait confiance à Delco parce que c'est une équipe où il y avait, à la base, normalement, il devait y avoir assez de liberté pour les coureurs. Et il y avait le projet. Il me demandait d'être. Il m'avait proposé un projet qui m'allait bien puisque c'était pour m'apprendre à courir chez les pros et à me développer petit à petit. De base. Tu parlais de ton évolution en tant que coureur cycliste, mais au-delà de l'évolution du coureur cycliste, il y a l'évolution aussi en tant que personne et en tant qu'humain. Et il y a un moment donné où les deux se rapprochent et quand le perso devient trop lourd à porter, ça pourrait faire d'impacter du coup la vie professionnelle En ou fait, la vie sportive. pour qu'un cycliste pro, je dis bien pro, hein. En amateur c'est différent. Et pour un cycliste pro performe, il faut un équilibre de vie. Presque parfait. C'est pas le vélo, c'est hyper important. Le vélo, faut être très fort sur son vélo, il faut bien s'entraîner pour gagner. Mais pour moi, plus de 60%, c'est l'équilibre mental. Si tu es équilibré mentalement, que les choses vont bien, que tu te sens bien dans l'équipe où tu es, tu peux A faire plus des de choses. chances de réussir. Ouais, bah ouais. Bah, tu peux même faire. Des fois, tu peux faire des courses où tu te dis, merde, j'aurais jamais fait ça de ma vie, quoi. Tu sors des Mais du watts, coup. tu te... en course, tu peux sortir des watts que tu te dis, ouah, je ferais jamais ça à l'entraînement. Ok. Du coup, on peut dire que tu as trouvé l'équilibre cette année avec les résultats que tu fais. Dans ma vie privée, j'ai un superbe équilibre. Et au niveau de l'équipe, ouais, ça se passe super bien. Ils me font confiance. Donc, ouais, ça se passe super bien. Ils ont fait Et l'équipe autour de moi au retour du Covid, donc. Vous pouvez pas me tu peux plaindre. expliquer pourquoi justement t'es parti justement dans une équipe autrichienne pourquoi avoir tenté cette En fait, expérience? je sais pas si je pourrais le dire, mais j'ai pas passé les meilleures années de ma vie cycliste chez Delco, justement. Et du coup, quand j'ai pas trop performé, là-bas, on m'a dit, on m'a fait travailler pour les autres jusqu'à mi-juillet de ma dernière année de contrat. Et à la mi-juillet, on m'a dit, bah, Alexis, tu fais un excellent boulot pour l'équipe. Tu fais tout ce qu'il faut jusque dans les derniers kilomètres. Tu es toujours là quand il faut, au moment où il faut pour tes leaders. Mais par contre, tu gagnes pas. J'ai dit, bon, bah ouais, mais si vous me demandez de travailler, moi quand je travaille, quand je m'écarte, j'ai plus de force. Je donne tout ce que je dois donner pour mon leader. Oui, mais derrière, tu devrais avoir un peu d'énergie pour faire une place, on m'a dit. Ah, Je c'est t'ai pas. dit, bah, on fait pas le même vélo. Ouais, c'est pas logique comme façon de fonctionner. Non, moi je pense que c'est pas logique, ouais, aussi. Après, c'était le discours que j'ai eu, hein. Oui. Derrière, j'ai dit, bon, bah, je pense que je peux jouer ma carte maintenant. Et le DS a été clair avec moi. Le DS m'a dit, Alexis, je suis pas d'accord avec le discours qui t'a été fait. Maintenant, si tu veux jouer ta carte sur les parcours qui te conviendront, on le fera. Et dans la dernière partie de saison, c'est ce qui a été fait. Et derrière, j'ai été faire 6e ou 7e du Tour de Croatie. Donc, c'était quelque chose qui allait plutôt pas mal. Et du coup, à ce moment-là, Delco, c'est Delco qui a dit on te prolonge pas ou c'est toi qui as dit je me casse, vous répondez pas à À mes ce moment-là, attentes? ils m'ont dit qu'on ne prolongeait pas, qu'ils ne me prolongeaient pas. Ouais. Et après le tour de Croatie, le manager m'a appelé, il m'a dit, ouais, mais Alexis, je vais peut-être regarder. Compliqué. Et je lui ai dit, sois clair, soit c'est oui, soit c'est non. Il me dit, là, de suite, je peux pas. J'ai dit, ok, c'est bon. Ok.
Et du coup, les contacts avec Vorarlberg, comment on en vient à partir dans une équipe autrichienne? Bah là-bas, c'était pas Vorarlberg où je devais aller. Ok. J'avais un contact qui se laissait faire dans une autre équipe Conti Pro. Et on était plusieurs coureurs dans ce cas-là. Et en fait, ça dépendait du sponsor principal. Le manager de l'équipe est en discussion avec le sponsor principal pour légèrement augmenter le budget, pour recruter 4 coureurs de plus. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Du coup, au mois de... Je crois c'est fin octobre, il Ah m'a ouais. téléphoné. J'ai apprécié d'ailleurs. Parce qu'il m'a téléphoné, il m'a dit Alexis, je suis désolé, voilà. Ouais, c'était cash au moins. J'espère que tu vas trouver quelque chose. Mais bon, je suis déçu. Voilà, il a été franc. Oui. Il a joué de la Et carte honnête. ouais, mais je préfère. Je Bah préfère. oui. Dire quelque chose, quoi. Ouais, totalement. Et après, j'ai derrière, c'est Voralbert qui m'a téléphoné par le biais de d'un coureur qui était là-bas qui me connaissait. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Je lui ai dit, bah, écoute. Pour l'instant, je suis prof de sport. Il m'a dit non, c'est pas possible. Attends 2 secondes. J'étais en vacances à Bali. Ok. Et j'ai le manager de Vorarlberg qui m'a téléphoné. Il m'a dit, Alexis, est-ce que ça t'intéresse de venir dans l'équipe? Je lui ai dit, pour combien de temps? Il me dit, 1 an. Je lui ai dit, c'est bon. Il me dit, mais tu veux pas discuter contrat? Je lui ai dit, moi, je fais pas du vélo forcément pour gagner de l'argent. Donc, non, non. Ce que je veux, c'est surtout l'année prochaine courir chez les pros. Et on Et a discuté. justement, L'aspect financier, on l'a discuté après. ok. Du coup, là, tu as passé une saison chez Vorarlberg avec l'équipe autrichienne. Là, tu as eu un contrat pour la saison. Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'avenir? Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir? Bah, pour l'année 2021, bah, je vais continuer chez Vorarlberg parce que j'ai encore quelques domaines à travailler. Et l'équipe, ils font une équipe autour de moi pour 2021, donc je peux pas me quitter et partir alors qu'eux, ils veulent construire un effectif autour de moi. Et ça te plaît, D'accord. t'es le seul français, t'es entouré de coureurs étrangers, tu vas courir des courses qui sont pas forcément les plus reconnues du calendrier, t'as fait une super place en Grèce autour de Rhodes, ça te plaît un peu cette ambiance-là? Bah, je suis pas le seul français. Il y Non? a le physiothérapeute qu'on a dans l'équipe, il est français. Ah oui, ok. Donc déjà, ça aide un peu. Bah après, non, non, il y a 2 Suisses qui parlent un petit peu français. Mais en général, non, ça me dérange pas parce que je parle anglais, en fait. Donc du coup, j'ai aucune... Tu as appris Comment ça entre marche? temps. Comment? T'as appris l'anglais entre temps. Bah. Chez Etix, au bout de 3 mois, je parlais un peu anglais. Maintenant, je parle plutôt bien anglais et un petit peu espagnol. Donc ça aide à vite s'adapter. Ok. Et juste pour finir cette petite question verte, tu vas devenir papa. Déjà, félicitations à toi et à vous deux pour cette belle nouvelle. Est-ce que tu appréhendes un peu la vie de cycliste mêlée à la vie de papa? Non, parce qu'il y en a plusieurs, et puis mon coéquipier d'entraînement est notamment papa, donc c'est Ladanius, donc il est papa de 2 enfants, si je ne me trompe pas. Et il m'a dit, tu verras, c'est magnifique, et quand tu as des enfants, tu te dépasses encore plus sur ton vélo. Non, bah c'est Donc cool. au contraire, j'appréhende pas du tout, j'ai hâte. C'est cool. On va passer à la dernière partie donc de l'émission, ce qui est nommé le sprint final. On va te poser en gros des dilemmes et tu vas devoir choisir et trancher entre les deux. Donc, première question, est-ce que tu préfères cuissard coloré ou cuissard noir? Cuissard noir. Ok. Plutôt Van der Poel ou Van Aert? Van der Poel. Parce que je connais l'homme. Plutôt formation à la FDJ, enfin, plus à la Groupama FDJ parce qu'à l'époque toi c'était FDJ, ou formation à la Quick Step. Compliqué. Je veux dire Quick Step parce que je connais pas la formation à la FDJ, j'étais que stagiaire, j'ai Ouais. pas été formé par la FDJ. Ok. Poulidor d'or ou Anctil? Oula, c'est vieux pour moi ça. Ouais, pas de souvenir. Poulidor, parce que j'ai discuté avec quelqu'un hier qui m'a dit qu'il adorait Poulidor. Ok. Plutôt. Ah, c'est marrant que ce soit moi qui pose la question. Plutôt les Landes ou la Normandie? La Normandie. Ah, Non. oh non, il est déçu, Oh Jordan, là. non. Oh, j'ai trahi là. Plutôt Je suis Equitel. désolé, mais les Landes tout droit entre les pins, wow,
Moi, je suis du côté Gascogne, Ah c'est pas plus. oui, c'est différent. Bon, Ouais, bah, c'est pas pas si loin. Hein. Jordan nous invitera chez lui pour un week-end, comme ça on se fera tous notre opinion. Je ferai un petit tour de chez moi. Plutôt équipe française ou équipe étrangère? Ouf. 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 Je sais pas répondre à ce on va dire équipe étrangère. Allez. Chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Bien, J'ai c'est madame bien, qui m'a c'est soufflé chocolatine à côté. bien. Ah non, j'aurais dit pain au Ah ouais, chocolat. c'est bien, c'est bien. Plutôt Schleck ou Contador? Contador. Parce que Plutôt. c'est inoffensif. Ouais. Plutôt cyclisme à l'ancienne ou cyclisme moderne? C'est quoi que t'appelles cyclisme à En l'ancienne? gros, cyclisme stéréotypé, moderne, c'est le cyclisme moderne, et le cyclisme à l'ancienne, cyclisme qui est plus, où ça part plus dans tous les sens, où il y a moins de format de course classique. Cyclisme moderne. Ok. Alpes ou Pyrénées? Comment? Alpes ou Pyrénées? Ouf. Pyrénées, parce que j'habite dans les Pyrénées. Ok. Giro, Tour ou Vuelta? Giro. Paris-Roubaix ou Tour des Flandres? Paris-Roubaix. Même si je préfère le Tour des Flandres, Paris-Roubaix est français, je peux pas dire Tour des Flandres, c'est pas possible. Je suis français. Hinault, Fignon ou Le Monde? Les mondes. Cyril Guimard ou Marc Madiot? Cyril Guimard ou Marc Madiot? Marc Madiot. Ouais. Thibaut Pinot ou Romain Bardet? Ouf. Ah, Thibaut Pinot, mon collègue d'entraînement, il est à la VDJ, donc Thibaut Pinot. À fond, C'est Thibaut. corrompu. Sagan ou Gilbert? Gilbert. Parce que j'adore le personnage. Pour finir, Bounen ou Cancellara? Ah, Bounen, c'est la classe, Bounen. Ok. Bon, maintenant, avant de finir l'émission, je te propose de faire. En gros, là, tu vas devoir réfléchir pendant 1 minute. Tu vas parler de ce que tu veux, ce que tu as envie pour conclure l'émission. En attendant, je vais laisser Jules. Voilà, ce que tu veux. Tu peux te Ta parler de promo. n'importe quoi pendant 1 minute. C'est ta carte En attendant, blanche. je vais laisser Justin conclure. Ouais, je vais conclure et pendant ce temps, tu fais ta carte blanche, tu réfléchis, tu trouves un petit sujet de conversation, un truc où tu veux faire de la promo. Alors du coup, pour conclure cette émission, j'aimerais avant tout remercier Alexis Guérin de nous avoir apporté, enfin de nous avoir accordé, pardon, cet entretien. C'était super intéressant. Il est en train il y a le chien à l'image, ça me tue. Merci à Comme le Jordan et chien merci pour à Paul aussi d'avoir participé à cette émission. L'équipe du petit plateau au complet, comme pareil, le d'habitude, ça plaisir. fait super plaisir. Et voilà, c'est pas le premier des entretiens et ce sera pas le dernier parce que nous, on aime tellement faire ce format, ça nous apporte tellement. Et voilà, c'est grâce à des personnes super disponibles comme Alexis. Alexis, c'est ton moment, c'est ta minute. Tu conclus l'émission avec ta minute, Alexis. Non, ça va être la minute à Maïka plutôt. On va Ok. demander à Maïka si le vélo lui plaît ou pas, si elle est contente quand papa s'en va ou quand papa rentre. Hein, Gugu, qu'est-ce que t'en penses? Maïka, Sagan ou Gilbert? Gilbert. Elle est Ah, d'accord. elle Bon. était bien éduquée. Eh ben écoute. Non, pendant cette minute, je vais plutôt vous remercier à vous pour cette émission. Je pense que le format d'émission va plaire à beaucoup de monde. Ce format un peu décalé va être génial. Et remercier le monde du vélo pour cette saison-là, parce que malgré les difficultés du Covid, on a quand même réussi à faire une belle saison, je pense, à mon goût, même si elle était concentrée. Et dire merci à mon équipe, au Team Vorarlberg, à l'ensemble des sponsors et à mes coéquipiers d'être là autour de moi et de me permettre de performer sur les courses qui me conviennent. Bah, c'était une super conclusion en Ouais, tout c'est cas. cool. Merci encore à toi. Merci à toi. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter et on se retrouve pour un prochain entretien, le petit plateau. Ciao, bye bye à tout le monde. Salut. Salut, à Ciao. plus. Ciao, ciao.